Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Parce qu'entre 1979, il n'y a rien. Ne me le dis pas. Ceux qui sont des amis de M. Adebayor, contactez M. Adebayor maintenant. On est à 2005 personnes. On est à plus de 2005 personnes connectées. Contactez M. Adebayor sur le champ. Demandez-lui combien de fois nous avons discuté aujourd'hui. Et quel était le sujet de nos discussions? Vous qui connaissez mieux cette histoire que nous. Dites-moi d'abord, quel était, parce que il y a un sujet, il y a une histoire où il y a, de me poser, de répondez-moi, quel était le sujet de notre conversation d'abord? Posez-vous la question. Vous qui connaissez mieux ce dossier-là, cette affaire-là, qui comprenez, qui vous agitez de gauche à droite comme des épileptiques, comme des girouettes qui tournent chaque vent, tu m'as fait cette capture. Dites-nous ce que nous avons dit au téléphone, moi et M. Adebayor, aujourd'hui. Dites-moi. Miaweya, mi penada mentio. Miaweya, mi souteni na meu. Ne nous vire joie. Mi ve pour une poussier. Mi la me antilene. Vous ouvrez. Je vous dis, hein. Contactez M. Adebayor. Demandez M. Adebayor combien de fois nous avons discuté aujourd'hui au téléphone. Vous qui connaissez mieux notre relation, vous qui connaissez mieux cette histoire, demandez à M. Adebayor combien de fois nous avons discuté aujourd'hui. Et pendant toute cette histoire, combien de fois nous avons discuté au téléphone, combien de fois nous avons échangé. Qu'est-ce que nous avons dit? Allez-y et revenez me dire, comme vous dites que je mens. Et je suis étonné que Adebayor, en fait, personne ne connaît Adebayor. Même tous ces journaux qui ont parlé, même tous ces amis qui sont autour de lui. Mais comme je dis, des cadions. Nous s'est levé les cacacans, mais quoi? J'ai eu mal dans mon cœur. Parce qu'en fait, Adebayor, il n'y a personne qui le connaît véritablement. Comme les 24 heures là, comment j'ai connu le monsieur. Et j'ai eu mal au cœur. D'abord, il n'y a plus de conversation qui mis deux semaines à mer. N'y a plus qui mis deux le procureur de la République. Moi. Les échanges que nous avons eus. Quand il est venu me voir au garde à vue, ce que nous avons eu comme échange. Je vais vous donner une information. Il a malani, il avait dans l'eau, il a fendu. Maintenant, voilà le premier information qui tombe comme une bombe. Voilà le premier. Écoutez-moi très bien. Voilà le premier. Depuis le premier jour, M. Adebayor Chehi Emmanuel n'a pas arrêté de me dire qui n'a rien contre moi, qui n'est jamais contre moi, qui n'est resté nulle part, penser mal de moi, qui n'est pas en guerre contre moi. Vous qui connaissez mieux cette histoire, je vous lance un défi d'appeler M. Adebayor. Ce qui vous n'avez pas comme information, c'est ça que je veux vous donner. Adebayor a répété encore devant le procureur de la République qu'il n'a rien contre moi. Et aujourd'hui, au téléphone, il me l'a encore dit, il n'a rien contre moi. Nous avons échangé longuement. Vous qui pensez qu'il y a un problème que j'ai contre M. Adebayor, je vous informe. Ce qui a dérangé M. Adebayor, je vous le dis d'une façon formelle. Onya. Adebayor, Niabe Hachio. Adebayor, Niabe Egalio. Le niveau que Adebayor a aujourd'hui, je vous dis ce qui a dérangé le monsieur. Le niveau que Adebayor a aujourd'hui, en temps normal, Niatogo Viro Minoula Nueva Rumen Toto, Ntocha.
Je vous dis que j'ai discuté avec le monsieur au téléphone. Et je vous ai lancé un défi. Allez lui demander si ce que je dis, je mens. Le monsieur m'a encore confirmé aujourd'hui qu'il n'a pas un problème avec moi. Et quand il a fini de discuter, j'ai eu tellement mal au cœur que j'ai dit non. Togoton rentre. Vous savez, il y a beaucoup parmi vous, s'ils étaient à Adebayor, leurs maisons seront électrifiées. Et comme clôture en tant que casse de pour la peau. A me bouboro le mi a me togoto bouboro ou a we kenya a de bayora. Ou la do zo. Ou la do zo a be clôture a me quoi. Non, n'y a yon tocha vie kenya mle. Excuse-moi, moi mon petit, avec la petite chose que moi j'ai là, avec ma petite entreprise, avec les choses là. Non, zouma ne mle ou mato. Eh, non, zouma ne mle ou mato. Quand je t'attrape, tu es mort. C'est pourquoi je dis, j'ai connu Adebayor il y a 24 heures. Et personne ne connaît réellement Adebayor. Vous savez, dans ce pays, nous avons besoin de nous remettre en question. Surtout quand on est en erreur. On ne peut pas comparer deux choses qui sont incomparables. Et n'a que Mouton a dit, mais quand tu sors au même moment que le buffle dans la forêt, apprends à grimper un arbre. Vous ne connaissez pas Adebayor. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons fait dernièrement. La manière dont la presse et les journaux se sont jetés sur ça. Ce que ça a pu causer comme dommage. Fika Mikeleo, qu'Adebayor Boba Duyame, yé, mignon, boubouon, mignon, boba, au conférence de presse Q. Fika Mikeleo. Vous étiez où quand Adebayor est rentré dans ce pays? Et vous donnez l'impression, la dernière fois, quand les gens sont en garde à vue, vous donnez l'impression comme vous aimez le monsieur. Vous l'aimez où? Moi, Adebayor, c'est mon pote maintenant. C'est l'information que je vous donne. Et ne soyez pas étonnés demain de nous voir ensemble. Adebayor a déjà envoyé sa taille à Machachi. Je vous... Allez vérifier l'information. Adebayor a déjà envoyé sa taille à Machachi. Et nous allons le livrer, sa tante, à Machati. Parce qu'à Mouare, Bobonigne qui est à Adebayor Mea. Et où nous sommes. Et nous sommes quoi. C'est pourquoi je dis, si vous ne partagez pas ce que je dis, comme ce que vous avez partagé avant que j'ai dit, vous êtes des vrais Machati. Adebayor n'est pas. Comparable. Les gens vont dire, ouais, oui, il est vendu, il est larbin, il est... Ouais, il a peur. Hé, hey, ce n'est pas une histoire de peur. Je dis, appelez monsieur Adebayor. Il va vous dire quel type je suis. Après m'avoir félicité, il m'a aussi dit ce qu'il n'a pas aimé. Après m'avoir encouragé, pour mon courage, mon honnêteté, ma façon de tenir, il m'a encore dit ce qu'il n'a pas aimé. Et quand il a fini de parler, j'étais désolé. Parce que il y a une chose qui me dit ça à Adebayor. D'abord, un, il y a une chose qui me dit ça. Je vous lance un défi. Moi, je ne connaissais pas Adebayor jusqu'au jour où on est assis devant le procureur. Et quand le monsieur a pris la parole, il est assis comme ça. Et il faisait comme ça. À peine il a dit, si on compte, on peut le tenir pour un peu, bang, 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 à peine il a sorti cette phrase, quoi. J'ai découvert d'abord de l'humilité, la modestie, une grandeur d'esprit et un charisme de quelqu'un vont quoi. Et mille et tapalo. Moi je vais vous dire la vérité. Moi je dirais tu m'oublies, pas devant le procureur. Non, tu m'oublies. Le monsieur est resté comme ça. Il a mis 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 ça. Allez, j'y vais.
Il avait son masque, c'est il y a des bailleurs ici, ouais, ouais, avec une casquette, gilet, c'est voilà. Il a placé à peine cette phrase. Et j'ai vu vraiment. Et gâteau où on a brûlé. Pourquoi vous faites un gars qui est midou et a ébélété la ménami? Nientotchan, nous là nous avons tué ce fils. Pourquoi bonbon que les dons pour la Nientotchan, nous tient un troisième fils ici. Et Gabi, tu cuis à Kenyani. Eh, Yesu. Eh, Adebayo. On vend l'eau. Nous sommes au matin, il y a des voyages. J'ai eu peur. D'abord, calme olympique, stabilité, sens d'humour pointu. Il envoie. C'est-à-dire, où se couille, bang bang bang, il y a là. Yo! Hey, monsieur Adebayo, Kaflalo, moi, dans ma petite entreprise, si tu vois même mon comportement, si moi j'étais à Adebayo, je vais marcher en l'air. D'abord, Minda doit rogner mes sangs. Ici, il y a ma lodge, je connais, mais bang 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 bang, nous devons nous moucher si par le papa Bako. Il y a Minda qui a cru les catombes là, nous. Parce qu'il y a tout le temps du vodi. Yo, il y a tout le temps. Ah, tout le temps là, oh, mais. Et il est appelé au. Et il est dit jamais. Ne m'y a débat là. Ma plé quartier à bas. Ne m'y a quartier à ma trop d'eau. Ma trop d'eau. Ma trop d'eau. Bon, ma ton pas de quartier à quelqu'un. Ma doua beau. Maman l'état. Le président fort. On a nommé Charles Gangangang. Amézé. Et là, on a boit. Et là, son boulot à l'écrit. Allez, bah, bon. Yo! Et à même, je vais me lever le tour de moi. À même, je vais me lever le sang, mon ami. Bon, non! Yo! Tapez sur Google ce qu'on appelle la longanimité. Longanimité. Mais tapez longanimité. Il n'y a pas de sens dans la longanimité. N'appelez plus légende. N'appelez plus champion, n'appelez plus monsieur Adebayo, n'appelez plus capitaine, appelez longanime Adebayo. Longanime Adebayo. Eh, bebble o mi le togo. Mi yo Adebayo mi adie se venale. Ke da félicité ma rele ke be félicité mdoma. Et be tu es un homme vrai. Adebayo m'a dit, tu es un homme vrai et tu défends une cause de bout en bout. J'ai dit que j'ai eu le monsieur plusieurs fois au téléphone. Quand il m'a expliqué les choses, j'étais isolé. Si vous ne relayez pas cette information et faites le tour du monde, comme je l'ai dit, que Adebayo longanime, comme vous l'avez fait pour l'autre, vous êtes des vrais machachis. Parce que les prochains jours, vous allez me voir dans son jet privé. Vous allez me voir dans sa piscine. Vous allez me voir dans Machachi. Vous allez le voir au lancement officiel de Machachi le 28 août. Parce que, et dernier, les Adebayo aussi m'ignore. Et Jesse a mis que Bada. Léon Bada. Koudo a mis que. Et au erreur. Alors, et Siagba. Quand tu rates là, Adebayo sait. Si Adebayo était ses conseillers, non, mon frère, on va nous servir de nyangami comme petit déjeuner. Demandez, vous savez combien de fois Adebayo m'a rendu visite lors des gardes à vue? Demandez-lui. Vous êtes là, vous parlez, waye. Adebayo m'a rendu visite lors de ces gardes à vue plusieurs fois. Il vient me voir, on parle. J'étais nerveux. Quand il vient, moi je crie. À chaque fois qu'il vient, moi j'étais nerveux.
Mais le monsieur venait tout le temps me montrer plutôt son amitié. Fou que je suis. Parce qu'il était venu chaque fois me dire, mon frère, je suis avec toi. Je n'ai rien contre toi. Bête que je suis dans cette histoire. Bon, bon, qu'elle est de Founama. Moula clon, me couronne. N'y a pas de la. À quoi assumer bonbonner de Nafuna à Meko au bina di kaba kaba kaba? Ouais, là on y a non. Ouais, so clon, mais à clon, mais chaque fois quand Adebayo venait me voir, il essayait juste de me dire je suis avec toi, je n'ai rien contre toi. Mais comme sur le bonbon l'indigna, j'ai rien compris. SG, mes fouets. Je me dis, il y a une lunette qui est. Et chaque fois qu'il venait me voir, nous, comme ça, tu fais une lunette à la pochette. Monsieur. Demandez à M. Adebayo quelle était notre relation pendant ces gardes à vue et quel était son état d'esprit et mon état d'esprit. Vous qui pensez que la personne voulait nous faire du mal. La personne nous en voulait mal. Vous qui êtes resté aussi dans l'ombre, pensez que non, il veut détruire ses petits frères. Moi, quand je comprends, moi, et derrière la CNB, quand je comprends mon erreur, je ne continue plus. Hein. Je fais marche arrière. Parce que câble, dis-moi quoi. On fiomme les câbles au début de nos erreurs à continuer les mots. Quand on ne comprend pas, on fonce. Mais quand on comprend, on défonce. Ah, de nous, on a battu tout le là. Benare. Nous là, voilà, Kafla, n'y a pas de temps à te faire un milo. N'y a pas de temps à te faire un quartier, on a été ma tombe à deux. Et puis, ma mère, on a interdit au Togolais. Ma mère, pas nous. Togoton, il y a un tolo. Togoton, il y a un tolo. Au pas, mec, au papa, à mec, au patal, on nous sait. Oh là, c'est des faux, hein? Je te jure. Amélo le mentocha, ou bon, il est contre Adebayo. Maintenant, il veut se servir de nous, notre histoire, pour diminuer, dénigrer le monsieur. Nya, 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 Adebayo. Cri! Nous sommes là. Et que nous sommes là, avion, nya, on l'a trop tué, bah, yo. On l'a appelé, animal, la fille, on l'a tué, yo, pour nous, nya. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes. Il y a une fille qui a un casting, on avait casting de tamisation de Togolais admis pour l'admission exceptionnelle à intégrer ma corporation. Bon, là, va voir. Monsieur Adebayo, et nous qui vivons dans les Nyekobe Kozeria, et qui est blanc, après-midi, les gens ne savent pas que cet après-midi, il y avait un bon déjeuner. Et après le déjeuner, nous avons continué nos causeries. Adebayo longanimo. Adebayo longanimo. Eh, Adebayo, on doit couper qu'on va dimanche à. On doit attaquer qu'on aime les doués. Le connais ma. Et garde à vie. Ah! Tu te rappelles quand tu es venu dernièrement là, le dimanche là. Oh, c'est deux pantalons, deux chemises. Deux, et le connais ma. Et on stable. Yé, obé, tchouboula, nyata, embrou, leke, décalé-ma, lele, 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 tu voulais me raconter quoi? Je vous lance un défi. Allez vérifier Adebayo même. Vous qui pensez que je suis quelqu'un de dégringolé, machin, Adebayo même, il m'a apporté son soutien. Je vous récite les phrases que Adebayo m'a dit. Et vous pouvez aller vérifier ça. On dit que celui qui persiste dans l'erreur est démoniaque. Mais celui qui corrige ses erreurs est intelligent. Ça ne sert à rien de persister dans une erreur. Adebayo est notre icône. Ça n'a rien à voir avec la honte. Ça n'a rien à voir avec, comme on appelle, qu'on est ridicule. Ça n'a rien à voir même avec le dossier là.
Laissez, ça dit, c'est deux choses différentes, puisque la justice est en train de faire son travail. Ne mélangeons pas les choses, hein. La justice est en train de faire son travail. Mais je vous dis une vérité palpable. Avant tout ça, moi, je ne connaissais pas le côté amour et généreux d'Adebayo. Adebayo, quoi, non? Et nous, qui sommes en train de faire le téléphone, nous sommes en train de faire le téléphone. Et nous, moi, je voudrais tout simplement que les éperviers ne commencent pas à porter ça, en fait. Voilà, ça, c'est la gamme sport de Machachi. Contrairement à tous ces Togolais-là qui ont pensé que cette histoire-là allait ternir ton image ou bien allait ternir notre relation, tu les as encore reniés en me demandant de t'apporter les Machachi. Et puis, vous savez ce que Adebayo m'a dit? Nous sommes jeunes et nous avons de l'avenir. Nous devons arrêter la guerre et nous mettre ensemble pour construire ce pays. Et nous sommes jeunes. Nous sommes à la tine maintenant. Maman nous dit non. Quel? Ma pro nous dit non. Adebayo, je ne peux pas plus le téléphone. En fait, il faut qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui disent Adebayo vaudoua, Adebayo légende, vous ne connaissez pas Adebayo, je vous jure. Vous ne connaissez pas Adebayo. Si tu connais vraiment Adebayo, tu vas être surexcité. Et dis-là, nous jobs avec nos moula boadine, tout en quoi. Fifi, c'est nous qui nous avons dit, on a dit celui qui est fort, c'est celui qui retient son coup, pas celui qui donne le coup. Je répète cette phrase. Celui qui est fort, c'est celui qui retient ses coups, pas celui qui donne des coups. La majorité parmi vous, dans cette histoire, aurait réagi autrement. Mais Adebayo nous a montré pas. Il n'a pas attendu. Parce que dans cette histoire, ce que nous, moi et vous, nous ne savons pas, Adebayo a plus de 100 maisons. Donc, il peut avoir des choses dans sa maison sans qu'il ne soit au courant. C'est ce que vous ne savez pas. Et il a raison. Et dans cette histoire, je ne vous dis pas comment Dieu est capable d'utiliser certaines situations pour élever les gens. Il y a que mi pompo et via. Il n'y a pas à débarrer pompo le téléphone et bien. Il y a un mec comme il est au bruit. Viens. Mais attends, pour le téléphone, viens. C'est vous qui allez l'amener, Machachi. C'est vous qui allez l'amener, comment on appelle. C'est dans votre lancement qui va venir. Le monsieur me regarde. Il me parle au téléphone, il me dit, nous sommes jeunes. Nous devons participer à la politique du père. Nous devons soutenir les initiatives privées. Il m'a dit, vous êtes président d'une organisation. Moi aussi, je viens de l'apprendre. Comme nous sommes jeunes, il faut que nous nous occupions du social. On n'a pas besoin de ces petites guerres. Maintenant, il faut que nous puissions faire des projets d'avenir. Aujourd'hui, j'ai compris et j'ai appris une leçon. C'est qu'après notre discussion, après-midi, à Mibatro Pompo, quand il a fini de me donner des conseils, j'ai dit non, attends là. Vous savez, être entre le fait d'aller à l'école beaucoup et être pauvre, je préfère le fait de ne pas aller à l'école et avoir l'argent. De toutes les façons, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais ça ne va pas changer le cœur de ma personne et ma générosité, et ça ne peut plus annuler le contact que Dieu a fait entre moi et Adebayo à travers cette histoire. Vous ne pouvez rien changer. Vous savez, vous êtes des milliers à profiter d'Adebayo, mais vous attendez que les côtés négatifs vous parlent de lui. Vous vous êtes servi de notre histoire pour lui donner l'impression que vous l'aimez. Est-ce que vous avez besoin de cette histoire pour sortir des articles chaque jour? Vous, les journalistes, pourquoi vous ne mettez pas 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 heures, à vanter les mérites d'Adebayo? Pourquoi? Pourquoi vous attendez une histoire bizarre comme ça? Et si vous êtes vraiment des bonnes personnes, pourquoi vous relayez ces informations? Quand vous savez que ce n'est pas bon, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous relayez ce que nous disons qui n'est pas bon pour l'image de la personne? Selon vous-même, vous devez revoir votre comportement, vous aussi. Parce que si vous aimez vraiment M. Adebayo, chaque jour que Dieu fait, vous allez prévoir des articles pour lui.
vanter ses mérites et organiser des émissions pour lui. C'est là où on apprend, on montre vraiment qu'on aime. Vous avez votre part de responsabilité dans certaines choses, mais vous cachez pour vous. On dit que ce n'est pas un crime de rire de l'anus de son voisin. Mais appeler tout le quartier pour rire de ça, c'est criminel. C'est pas un crime de rire de l'anus de son voisin. Au point de vue, voisin, c'est pas encore un crime. Vous avez un quartier à Bribo, c'est criminel. Pourquoi vous avez attendu cette situation pour parler d'Adebayo? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous des vraies questions. Parce que vous donnez l'impression comme si vous aimez Adebayo, mais plutôt c'est vous qui avez amplifié cette histoire. C'est vous qui avez relayé, c'est vous qui avez partagé, c'est vous qui avez diffusé, même des journaux au niveau de l'Allemagne, de l'Angleterre, de TVT, et d'où pas jamais. Relayez aussi cette information qu'Adebayo est longanime. Et commencer à partir de demain par sortir des vrais amis. À partir de demain là, commencez par relayer cette même information dans le monde mondial. Et maintenant, n'attendez plus rien. À partir de cet instant, commencez par parler de bien d'Adebayo jusqu'à... Adebayo nous a dit, c'est en faisant du bien qu'on détruit le mal. Il nous a dit, c'est en faisant du bien qu'on détruit le mal. Adebayo n'est pas notre égal. On ne peut pas nous comparer avec Adebayo. Il faut connaître la personne pour venir le défendre. J'ai connu la personne. Il m'a donné la chance de le parler. Il m'a donné la chance de discuter avec lui. J'ai compris maintenant que non, cette personne, on ne peut pas. Humblement, je dis au gouvernement de faire un monument digne de ce nom et immortaliser déjà Adebayo dans un. C'est fait que c'est dans Senghor Bek Noualé, les trois camarades. Mais a dit que Pere Pamia Mili Adebayo Goudouli, il m'y a défoncé comme monument. Moi, quand j'ai tort, de la même énergie que j'ai utilisée pour défendre une cause. Quand j'ai tort, j'utilise encore la même énergie pour dire que ce n'est pas bien. Et je vous fais une confidence. Adebayo m'a dit au téléphone aujourd'hui, je n'ai même pas besoin que tu reviennes sur les réseaux sociaux pour laver mon honneur. Oui, il me l'a dit. Pour les gens qui pensent que Adebayo m'a demandé, je l'ai dit, monsieur, posez la question à Adebayo qui je suis là. Mais bien c'est bien la cinéma. Mais quoi c'est bien allé? Eh, il y avait bien Adebayo c'est bien la cinéma, et homme qu'un minima, homme fort rien ni. Et j'ai dit je ne te demande pas la permission pour aller parler de quelque chose que j'ai vu qui est bon. Je défends ce qui est bon et on ne m'invite jamais quand je sais que c'est bon, je vais le défendre. Et bon, mais non. Et finalement, bon, entre nous deux, celui qui parle beaucoup, c'est moi. Mis les pompons, gaga, qui va quoi même les pompons sous bois. Et bien là. Adebayo, le monsieur est bizarre, quoi. Qui va quoi même les pompons sous bois, quoi, bien là. Il y avait même une virée, une fois, mais il y a trop continué. Tour de Babel là. Et allez, on va dans ça, mais on va dans ça, mais on va dans ça.
Ils étaient plus de 2000. Il y a les bâtards parmi eux, les connards parmi eux, les idiots parmi eux. On va souvent. Oui, monsieur, il avait dit ça des bâtards. Oui, c'est mauvais, c'est un méchant. Oui, oui, oui. On va bang, bang, bang. Si c'est coton, il y a un bon bon. Oui, il y a. Togolais. Il y a un coup d'oignon. Il y a un coup. Monsieur Adebayor, je viens de te prouver que le Togolais est l'être le plus méchant, le plus machiavélique, le plus mauvais, qui donne l'impression qu'il est avec toi. J'ai sorti cette marque, aucun ne m'a soutenu. On a eu des problèmes. Quand toi, tu es rentré en contact avec moi, tu as discuté avec moi, tu m'as dit que tu n'as pas de problème avec moi. Quand on a fini tout ça, la première des choses que tu m'as demandé, c'est que je t'apporte ma marque, que tu veux soutenir ma marque et m'aider à faire la promotion de cette marque. Quand on est jeune, et qu'il faut que cette jeunesse soit solidaire. Maintenant, je les ai appelés, ils sont beaucoup comme ça, parce qu'ils pensaient que je vais parler mal de toi. Les gens m'ont dit, ouais, il ne va rien dire de concret. Vous voyez un peu la mentalité des méchants Togolais. Donc ce que j'ai dit là, pour eux, ce n'est pas concret. C'est-à-dire, on a tebe ma grobe, a tebe o bada, a tebe o leke, a tebe o leke, a tebe o leke, on a tebe ma grobe, ne benou quoi. On tourne avec bebenade. Franchement, je vais te prouver que le Togolais ne te connaisse pas. Je t'ai prouvé. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une autorisation pour aller parler de ce que je connais. Je voulais te prouver que le Togolais ne te connaît pas. Moi, je t'ai connu hier. Et je voulais te prouver que le Togolais qui a donné l'impression qu'ils sont derrière toi, c'est les vieux, les vrais méchants. Et que mi on va bang 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 à mes coucou et on a dit non quoi. Chorome. Ils étaient beaucoup comme ça. Et quand on a commencé par parler bien de toi, ils diminuaient jusqu'on est à 1078 maintenant. Et c'est comme ça, s'il te plaît. Ils vont partir un à un. Jusqu'à ce que parce qu'on est au bon premier. Ça ne les intéresse plus. On a commencé par vanter ses mérites. Ça ne les intéresse plus. Ils partiront un à un. Un à un. Mais on dit ne les kakakaka ou quoi. On les dit les cas, mais des cas. Et ils vont partir comme ça. Jusqu'à ce qu'ils vont partir tous. Parce que, en fait, c'est des personnes qui ne t'aiment pas. Qui donnent l'impression. Parce que, au loin, qu'on soit moi, on soit ça, avec journaux et quoi. On soit business. Ils ont utilisé nous, notre garde à vue, plus ton nom pour cette situation, pour vendre leur presse, pour faire connaître leurs journaux, pour faire connaître leur site, pour faire connaître leur magazine, pour parler. Ah, mais ça, mais là, pour avoir au Jesse ou quoi. Champion. On va leur faire très mal, comme tu l'as dit. Et nous allons avancer. Maintenant, ils n'ont qu'à bien s'asseoir pour savoir que Machati, c'est une marque de l'avenir. Et nous allons les effrayer. À vous tous qui pensez que le Togolais n'a pas compris, c'est comme ça que vous allez attendre que Gogoligo aussi puisse mourir pour mettre des rips et dire « Ah, il était bon. » Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'à Adebayor, moi, je suis devenu officiellement, sans vous, comme vous ne savez pas, je vous informe. Je suis devenu officiellement ce que je suis. Et les prochains jours, vous allez voir ce que je suis pour Adebayor. D'accord. Il est important qu'on vous dise clairement que depuis le début de cette histoire, Adebayor n'a jamais cessé de dire « Je n'ai rien contre toi, Moutité. Et je n'ai pas quelque chose contre toi. » Il me le dit tous les jours, même quand on était à Gardavie, il venait toujours me le dire. Vous qui confondez des choses, réveillez-vous. Et j'ai compris et je viens de prouver au monde entier que vous n'avez jamais aimé M. Adebayor. Parce que quand je vous ai appelé pour vous dire que je vais dire quelque chose et puis je vais aller en prison, vous pensez que je vais dire une connerie. Et vous êtes venu beaucoup. Et quand j'ai commencé par parler bien de la personne, vous avez quitté la ligne. Et ça vous énerve même qu'on parle bien de lui. Ça vous énerve même que maintenant on vante son nom. Vous allez mourir très tôt. Maintenant,
Yes. Milano va y mourir. Allez. L'avenir nous donnera raison. Une politique générale implique chaque individu à travailler. L'excellence et la productivité et la richesse afin que tous les peuples bâtissent un monde plus épanoui. La marque connaît une floraison dans plusieurs pays d'Afrique et dans leur diaspora. Encouragement des efforts de tous les citoyens du monde. Encouragement des efforts de tous les citoyens du monde. Encouragement des efforts de tous les citoyens du monde. Encouragement des efforts de tous les citoyens du monde. Président Papou San Moutine, 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 président Papou San Moutine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.